montée des eaux en Talanagif, avis de danger imminent. L'avis d'alerte rouge ou danger imminent demeure en vigueur sur la plaine d'Antananarive, qui est traversée par les rivières d'Ikioup, de Sisson et de Mambe, selon le communiqué de l'Autorité pour la protection contre l'inondation de la plaine d'Antananarive, ou APIPA. Le niveau des eaux est toujours haut, même si l'on enregistre une légère baisse par rapport à hier. Ainsi, l'Ikioup était de 2,12 mètres de haut au niveau d'un telmite ce matin vers 10 heures, si cette hauteur était de 2,49 mètres hier à la même heure. La hauteur de l'Ikioup au niveau d'Anouzat a été de 3,83 mètres aujourd'hui, si elle a été de 3,86 mètres hier. Le niveau de l'eau a baissé, mais il reste au-dessus de la normale, qui est de 3,50 mètres selon les responsables. Quant à la rivière de Sisson, ce matin, sa hauteur était de 1,48 mètres au niveau d'Anjamasn. La hauteur de l'eau a baissé de 0,13 mètres en 4 heures et cette baisse se poursuivra dans les 12 prochaines heures. En dépit de cette amélioration de la situation, la PIPA rappelle que l'avis de danger imminent demeure en vigueur, notamment pour les communes d'Ampitataf, d'Ambavat Toukan, de Fenogiv, d'Itos et d'Ambouchmanzak. Pour ce qui est de la rivière de Mambe, sa hauteur était de 8,52 mètres au niveau d'Ambouidjou ce matin. Cet après-midi, elle était descendue à 8,48 mètres de hauteur.